Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, Mina, comment est-ce qu'on peut être joyeux dans un monde où il y a tant de choses terribles, où il y a des gens qui souffrent, où il y a de la maladie, où il y a de la perte de liberté? Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire justement, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut que nous allions dans notre joie. Pas une joie artificielle, pas une joie qui serait fausse, hein, et contrôlée. Non, c'est joie qui est ce que nous sommes. Parce que oui, il y a du tsunami. Oui, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, mais il y a aussi des gens qui sont merveilleux, qui sont magnifiques. Il y a la beauté, il y a l'art, hein, il y a la nature, il y a le soleil, il y a l'air que l'on respire. Hein. Et depuis des années, ce qui a changé totalement ma réalité, c'est de savoir que ce monde est un monde vibratoire. Je ne suis pas une scientifique, mais ce que je retiens de la physique quantique, c'est que tout vibre, tout est vibratoire, et que passé, présent, futur ne sont pas linéaires comme on nous l'apprend, et que nous avons cette capacité de changer le futur par nos vibrations. Et qu'est-ce que c'est nos vibrations? Mais nos vibrations, c'est nos pensées, c'est nos croyances, c'est là où je mets l'attention. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir une très mauvaise nouvelle. Vous êtes focalisé sur cette mauvaise nouvelle et vous pensez que le monde va mal et que vous êtes la personne la plus malheureuse de la planète. Et puis tout d'un coup, pour une raison X ou Y, votre attention est appelée ailleurs. Peut-être un chant d'oiseau, peut-être quelqu'un qui vous appelle et qui vous raconte une histoire drôle. Et dans cet instant-là, la souffrance qui vous accaparait juste avant, elle disparaît, il n'y en a plus. Est-ce qu'elle a disparu? Non, vous avez mis votre attention ailleurs. Et le secret en ce moment, mais la force que nous avons, nous, les êtres humains, les êtres vibratoires, c'est de focaliser notre attention sur les choses qui sont belles. Vous allez me dire, oh, mais c'est du déni, Mina. Mais non, je ne suis pas dans le déni. Je vois bien, j'ai les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Mais je choisis aussi où je veux mettre mon regard. Je choisis ce que j'ai envie d'entendre. Et je vois des personnes magnifiques sur cette planète. S'il vous plaît, éteignez vos télévisions. On n'arrête pas de vous le dire. Il y a d'autres informations, il y a d'autres points de vue, il y a d'autres réalités. Et votre force et votre pouvoir, c'est que vous êtes des milliers. Et que le millier que vous êtes et que nous sommes avons un pouvoir énorme à l'intérieur de nous, c'est de contrôler nos pensées, nos sentiments, nos émotions et d'arrêter de nous identifier à tout ça. Mais c'est le message de tous les êtres spirituels depuis la nuit des temps. Bouddha disait, vos pensées créent le monde. Mais si vous savez comment utiliser vos pensées, si vous savez où les diriger, vous pouvez faire de ce monde un monde incroyable. Donc tout ce qu'on nous raconte, et chaque fois que vous êtes complice émotionnellement en réagissant à tout ce qui est raconté d'un futur horrible, diabolique, terrible, on est en train de contribuer à ce futur-là. Et l'invitation, moi, que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est que nous pouvons créer un autre futur par justement là où on va mettre nos pensées, notre attention. La beauté élève nos vibrations, le chant élève nos vibrations, la danse élève nos vibrations. Stimuler votre thymus va activer votre système immunitaire, mais aussi réveiller la joie. Je le pratique depuis des années dans mes groupes, dans mon accompagnement. Là, en ce moment, je suis en train d'animer un coaching en ligne, ma métamorphosing. Les gens arrivent, ils ont plein d'histoires, ils pourront en témoigner s'ils veulent, ils sont pas bien, ils ont des causes à leurs problématiques, enfin, croient-ils. Et tout d'un coup, on change l'énergie par le rire, par du charabia, par des choses qui peuvent paraître complètement farfelues, mais tout d'un coup, l'énergie se transforme et les personnes qui étaient ou déprimées ou qui avaient peur, tout d'un coup, sans avoir besoin de savoir si c'est papa, maman qui nous ont posé des problèmes, que c'est mon amant qui m'a abusé, etc. Tout d'un coup, ce que l'on croyait avoir une cause se transforme sans qu'on ait agi sur la cause. Ça, c'est le nouveau monde. C'est la nouvelle façon de se transformer. S'il vous plaît,
Ne rentrez pas. Si vous voulez être une contribution à ce monde, si vous voulez accuser le monde, vous plaindre, vous révolter, pourquoi pas, je veux dire, il faut tout sur cette terre. Mais si vous, vous êtes comme moi, et vous savez cette beauté qu'il y a dans la danse, dans le partage, dans la joie, dans l'amour, dans la coopération, dans la contribution ensemble, mais mettez Jérusalem, tiens, vous connaissez cette belle chanson, et dansez là-dessus, mais dansez, 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 et vous allez voir que vos énergies se transforment. Et quand vous faites ça, vous changez la vibration du futur, vous êtes en train de changer le futur. Alors, cessez de dire, je suis qu'une toute petite chenille dans ce monde, je ne peux rien faire, il faut que les grands de ce monde changent, il faut que ceux qui ont la capacité de changer les choses changent. Non ! Nous avons la capacité de changer parce que ce monde est la manifestation d'une vibration. D'abord, toute chose qui existe, auparavant il y a une vibration, cette vibration, elle, c'est une forme pensée, et qui se manifeste dans la matière. Donc, qui que vous soyez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études, d'avoir appris des choses, etc. Vous avez juste à chanter, danser, libérer la joie naturelle que vous êtes et que vous avez toujours été, même quand vous étiez enfant, rappelez-vous-en, il n'y avait pas besoin d'avoir de raison. Sauter sur un pied, sauter sur un trampoline, et ça va faire des miracles. Mes amis, on va se retrouver régulièrement pour se redonner ce boost dont nous avons besoin. Allez là où ça monte vos énergies et riez, riez, riez. Il y a tellement de gens qui font des choses drôles, des sketchs, des dessins humoristiques parce que rire de la folie du monde, mais ça fait du bien aussi. Même rire de soi et de nos histoires et de notre pathétisme. Allez, et si on dansait? Et si on chantait? C'est maintenant !